Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous regardez vidéo là sur channel là. Bienvenue sur channel là encore pour deuxième partie dans cours trading forex là. Et dans cours précédent, nous t'ai parlé de plusieurs bagailles tel que nous t'ai parlé comment ou ca identifier effet de levier. Nous t'ai parlé comment qui ça effet de levier. Hein? Nous t'ai parlé qui ça pipe là. Et nous t'ai fait une brève définition des brokers, des traders. Maintenant, pour aujourd'hui, hein, nous allons parler de ça qui est les marges. Ok? Et, nous avons regardé là où la marge, c'est le montant nécessaire pour ouvrir une position chez les brokers. Par exemple, et là où dit marge, là, comme ça, l'introduction, nous allons voir ça dans la copie devant vous, là, nous venons dans la copie devant vous. Nous voilà comment nous ouvrir position chez Booker, mais là nous c'est introduction. Là on dit ouvrir une position, c'est ça crée le low. Chaque Booker qui quantité low minimum pour ouvrir une position, par exemple une position à la vente ou bien à l'achat, gagne un minimum low pour ouvrir chez Booker, ça crée marge. Et du coup ce montant est déduit de votre capital et gardé par les Booker lors de la transaction. Une fois que vous lancez position là sous broker sous plateforme de trading, ou par exemple MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, et une fois que ça dépend des niveaux que niveau marge, niveau lot ou mettez, gain capital initial trading ou un les diminuer. Et une fois que ou recevoir profit là ou clôturer ou bien arriver dans stop take profit ou capital va augmenter ou bien diminuer tout si ou perdi transaction que vous te faire. Une fois le trade terminé, la marge est retournée dans le compte du trader. Ça me dit nous. Hein. Le montant de la marge varie selon le broker, le levier et le volume de transaction. Par exemple, là où un montant marge la varie, par exemple, si vous ouvrez une position chez un broker qui a un plus gros effet de levier, ça veut dire que vous avez plus de profit sur le marché. Hein. Ça veut dire que le montant marge va augmenter et si vous perdez tout, vous avez fait plus perte. Ça dépend de effet de levier ou bien volume de transaction que vous faites sur marché. Là, nous avons un type d'ordre. Là, nous parlons de type d'ordre en trading. Les ordres du marché, nous avons un ordre différé. Dans l'ordre différé, nous avons plusieurs parties là-dedans qui sont buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Par exemple, buy limit. Buy limit, c'est ordre que vous placez sur marché ou placez en bas prix, hein, mais qui est directionné vers l'euro. Ok, tandis que n'importe notre trading couramment plus ça qui pifoué quand notre trading une couleur pour identifier bougie, par exemple yon couleur vert là plus utilisé pour les marchés à monter et ça fait n'importe buy limit là yon mettez un petit panneau vert. Nous avons sell limit qui c'est côté on ordre ou placé en bas prix, hein, mais qu'à prédiction vers le bas, la poêle en rouge. C'est même ça pour buy stop, qui sont ordre ou placé en haut pour y en soupriant et cap directionner, cap continuer directionner vers le haut. Et nous gagnons sold stop, c'est cap continuer directionner vers le bas. Mon placé ordre ça en bas pour y en. Ok? Là nous gagnons les paires de devises. Donc, là nous avons marché forex, nous avons c'est échange de devises. Qui c'est des paires de devises. Par exemple, dans le cours précédent, nous avons parlé de euro dollar, qui c'est une paire de devises, par exemple. Nous avons pris GPB USD, qui c'est dollar, qui c'est une monnaie britannique là avec dollar américain. Par exemple, nous avons une paire de devises. Et yo di paire là, il y a toujours et seulement deux devises. Depuis du paire, par exemple, il y a un tennis, l'acheter deux tennis, mais l'acheter un paire parce qu'il y a deux. C'est même tout dans trading forex. Les wap font transaction ou bien wap trade, wap transiger son marché, ou choisir une paire de devises qui c'est deux monnaies différentes. Par exemple, lors choisi monnaie ça euro dollar, c'est euro contre dollar. Les ou débutant en trading, yo conseille vous servir avec paire majeure. Donc, il y a plusieurs paires. Après là, nous avons paire majeure, paire mineure, paire exotique, monnaie de base ou monnaie de contrepartie. Donc, cap vin yo n'a pour identifier qui sac paire majeur, paire mineur, paire exotique yo et monnaie de base, vous monnaie de contrepartie. Et nous gain
les paires de devises majeures. OK? Paires de devises majeures, qui ça oui? Nous gagnons là, si m'a compté 1 2 3 4 5 6, nous gagnons 6. Nous gagnons euro dollar qui c'est euro contre dollar américain. Nous gagnons dollar américain JPY qui c'est dollar américain contre yen japonais. Nous gagnons livre sterling qui c'est monnaie britannique là contre dollar américain. Nous gagnons dollar australien contre dollar américain qui c'est odd USD. Nous gagnons USD CHF dollar américain contre franc suisse là. Et nous gagnons USD CAD dollar américain contre dollar canadien. La devise la plus importante aussi bien que le plus largement négociée est le dollar américain. Dans tout un devise ça, c'est dollar américain qui plus gagne un volume de transactions qui plus élevé. Ça fait largement négocié. Le dollar américain est la devise qui est la référence préférée dans la plupart des transactions. Le dollar américain n'est pas forcément une des meilleures paires de devises pour trader, mais c'est la paire qui a plus de liquidité et fait partie de la plupart des paires forex majeures. C'est un paire ça qui est plus liquidité là-dedans, qui est plus transactions qui fait sur marché là-dedans. Mais cela veut dire que l'octroi de dollar américain, il laisse en faire plus profit, non. Ça veut dire le plus rentable. Là, nous trouvons les paires de devises majeures. Ils vont même pour ta mémoriser, pour ta écrire. Nous gagnons les paires de devises mineures. Nous gagnons tout les exotiques là, nous voilà après. Les paires de devises mineures là, nous gagnons EO contre le livre sterling qui c'est EO GPB GBP. Nous gagnons EO contre CHF qui c'est EO contre le franc suisse. Nous gagnons EO face au dollar américain canadien. Nous gagnons EO face au dollar néo-zélandais. Ça n'a besoin plus devant yon PDF qui gen tout notre sao. N'a besoin ni n'a mettez dans description n'a coupé devant dans description vidéo n'a coupé devant qui gen toute paire de devises mineures avec exotique etc. Mes paire de devises exotiques nous gen EO TRY qui c'est EO face à la lire turque. Nous gen USD SEK dollar américain face à la couronne danoise. Nous gagnons USD NOK dollar américain face à la couronne norvégienne, etc. etc. Mais les devises exotiques sont dans les taux de change les paires forex les moins négociés. Par exemple, lorsque tu es sur marché forex en tant que débutant, nous yo plus chouette paire de devises majeures yo. OK, nous te voilà, c'est dollar américain et face et au face à dollar américain qui c'est EO USD. Nous gagnons USD GBY. Ouais, 1 2 3 4 5 6. Nous gagnons 6 paires de devises à l'autre débutant, pas seulement débutant, au plus négocier paires de devises à parce que est majeur. Mais paires de devises à n'a pas rarement négocié qui c'est paires de devises exotiques. OK, ce sont des monnaies des pays émergents ou les devises des pays avec une économie plus petite que celle des devises majeures et mineures, et ça fait aller aux paires de devises exotiques. Nous pas jouer une good na forex. OK, là nous va parler des sessions de trading. Qui ça est une session de trading? Une session de trading c'est l'idéal que pour même ou lancer trade sur marché. Par exemple, nous avons une session Sydney qui c'est basé en Australie, en tout près pays Australie dit. Dans continent Océanie. Nous avons ouverture qui c'est à 18h et fermeture qui c'est à 3h. Nous gagnons Tokyo ouverture à 19h, fermeture à 4h. Nous gagnons Londres ouverture à 3h. Nous gagnons fermeture à midi. Nous gagnons New York ouverture à 9h, fermeture à 17h. Ça veut dire là ou même cabalche sous marché a gagnons l'heure idéal que ou même ou va choisir qui session va prendre pour tuer. C'est ou même ou choisir qui session que ou suivre pour lancer trade ou sous marché. Donc vidéo a 9 minutes, nous pas continuer aujourd'hui encore. N'attend nous pour prochain coup que côté nous va parler et qui est idéal pour trader sous marché et par exemple session Londres New York là, et nous va parler tout de résumé etc. et pour n'a pour l'autre pour précédent. Donc merci d'être côté regarder vidéo ensemble avec nous.
et pour coup et deux ya n'attend nous dans une nouvelle vidéo pour coup numéro 3 pour partie 3. Abonnez et activez cloche notification afin pour partir une dans coup qui n'a baio et invitez les amis qui intéressé avec trading forex pour venir apprendre sur channel là. Merci encore et encore. À bientôt.